Salut à tous! Retour, maintenant vous commencez à avoir l'habitude, sur la planète Dorvac avec la réédition des années 2000 dans la marque Aoshima du trio en fait initial qui était sorti donc chez Gunze Sangyo. Des trois mechas dits des héros, mais dans leur version cannon fodder, c'est-à-dire leur version standard, leur version de production de masse. Voilà, il y a deux ou trois détails qui diffèrent. Les couleurs, sinon de toute façon ce sont les mêmes kits. Et en fait cette boîte recèle donc trois kits. Donc des trois mechas qu'on a là, le Mugen Calibur, l'Ovelon Gazette et le Tulkas. Le Mugen Calibur, lui, est au 1,72e, donc la même échelle que le petit double kit que je vous ai présenté il y a peu, je vous mets le lien ici. L'Ovelon Gazette et le Tulkas, eux, sont au 1 centième, donc plus petit. C'est toujours un peu embêtant, mais dans ces bundles, c'était sorti comme ça initialement, on n'a pas le choix. N'importe comment, quand on les met sur l'étagère, j'ai envie de dire, il suffit d'en mettre un plus loin que l'autre, ça passera. On est bien sur les versions transformées ici. Bon. L'Ovelon Gazette a été reprise également sous la gamme Transformer, sur les G1, en tant que Whirl, qui faisait écho à Roadbuster, ils étaient sortis en même temps. Le Tulkas, lui, il n'était pas trop convaincant, donc ils l'ont au final pas repris. Ils avaient étudié les choses, mais voilà. Sans plus attendre, je vais vous donner le prix de cette boîte. 1500 yens, ça c'est le prix où je l'ai eu, ça valait 3500. J'ai donc fait une très bonne affaire. C'est le marché de l'occasion japonais, quand on y arrive. Voilà, ça fait très très longtemps maintenant que je ne fouille plus dessus, parce que sinon le stock grandit encore plus vite que prévu. On a, hop, les photos des modèles. Avec les specs officiels, etc. Hein. Voilà. Et on va ouvrir la boîte. Et vous allez voir que, bizarrement, hein, on a une notice, mais trois sachets. Pour trois maquettes, ça paraît logique. La liste des grappes. Voilà, avec trois feuilles de décal en une. Le dessus de la notice. Voilà. Donc ça, c'est repris des illustrations des notices Gunze Sangyo, comme les précédentes que je vous ai montrées d'origine, voilà, avec le placement des décals et les teintes. Et ensuite, bureau de sinistre. Nous avons des line art. Voilà. Et ensuite, comment les assembler? Alors c'est très basique, hein, on est sur de la maquette de petite taille, pour le coup. C'est pas ultra articulé. Bon, voilà, hein. Vous voyez, hein, on assemble le VV54, ça va vite. Hop, on assemble tout ça, il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est assez statique, mine de rien. Le Ovelon Gazette, c'est pareil. Rien que le design laisse déjà à désirer de base. Moi, j'aime bien, mais parce que c'est rétro, parce que ça a une âme. Quoi. On est presque dans le Real Robot et ça se transforme en hélicoptère. Donc forcément, j'aime bien, mais voilà. Le Tulkas, par contre, c'est un tank, mais tu sais pas trop pourquoi il arrive à se transformer quand même. Ils auraient pu faire mieux, je suis d'accord. J'en ai pas parlé à M. Abara, mais j'aurais peut-être dû. Enfin, c'était trop tard, n'importe comment. Donc voilà. On a fait le tour de la notice. Et vous allez voir maintenant les pièces dans leur sachet. Donc là, à vous de deviner ce que c'est comme mecha. Je pense que c'est assez facile. Alors, eh bien ça, c'est le Mugen Calibur 1,72. Voilà, version robot. C'est la version robot, c'est pas la version transformable. Vous voyez, hein, au niveau des tailles, c'est pas avare, mais il n'y en a pas à 36 millions non plus. Ensuite, nous allons passer au Tulkas, le tank à pattes. On reconnaît parce qu'il y a les chenilles hein, et les gros missiles. Vous voyez, encore une fois, les finitions sont bien, hein, que ce soit sur les Gunze qui étaient très propres et les Aoshima. Ils ont vraiment fait un bon travail sur les moules. Ça n'a pas fuite partout, donc on n'a pas de fantômes. Je pense qu'au niveau de l'assemblage, on a la préparation classique. Ça devrait bien se passer. Et enfin, la gazette, donc l'hélicoptère et les trois feuilles de décal.
avec quand même des petits marquages sympas, vous voyez. Et au niveau des détails, voilà, donc on voit bien que c'est la version transformée. On ne peut pas la retransformer en hélicoptère. Mais voilà, donc les couleurs sont ce qu'elles sont. C'est destiné de toute façon à être collé et peint. Donc on peut bien faire la couleur qu'on veut. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre découverte sur Dorvac ou même d'autres séries animées où il y a des choses qui se transforment. Parce que je pense que vous avez compris, c'est un peu mon dada. Merci aux abonnés d'être fidèles comme ils le sont actuellement. Merci aux nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Merci aux futurs abonnés de bien vouloir s'abonner en cliquant parce qu'il y a forcément des choses qui vous intéresseront. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.